Bonsoir, j'ai dit heureux sans faire exprès en plus, c'est mon état d'esprit. Donc voilà, un petit Castlevania pour finir la nuit, parce que ça fait plaisir. Je sais pas si j'en ferai beaucoup, je vais essayer d'en faire un petit peu quand même, un petit moment, histoire de pas finir la soirée comme des pédales, ce serait con. Ce sera pas en Castle Vodka, parce que j'ai pas envie ce soir, ouais. Et que de toute façon, je pense qu'on n'est pas prêt de le finir, donc on a encore le temps pour faire des Castle Vodka, vous inquiétez pas, ça va venir. Mais de toute façon, il me reste quasiment rien quoi, à picoler. Il me reste un petit fond de vodka quand même. Bon, allez. Fais chier, tiens. C'est trop facile. C'est trop facile. Le mec, il fait ça pour les vues, quoi. Aucun respect. Bref, allez, on y va. Tac. Hop, je vais faire juste. Vite fait, rien du tout. Non, rien du tout. Allez, hop. Let's go. Tac. Attendez, je suis en train de me galérer, là. Voilà, là, c'est bien. Là, on est bien. Elle est où, ma manette? J'ai oublié qu'il fallait jouer à la manette. Putain, j'ai pété mon micro. Ok. C'est bon. Comment on joue déjà? Ah. Ok. C'est bon, j'ai une save, c'est bon. Casimir, c'était bien lui. C'était bien lui. Je suis à 36% du jeu. Hop, je vais baisser un peu le son et normalement on est bon. Vous allez me dire au niveau du son si c'est bon, hein. Normalement c'est impec. Ah oui, c'est vrai que j'avais ça, oui. Oh! Oui! J'avais le double saut! Exact! J'avais aussi ça. J'avais aussi des combos, je crois. J'avais mon bouclier, très bien. Il faut que je me remette les contrôles dans le jeu, dans la tête, parce que... ouais, ok. Je vois. Du coup, il faut que je remonte là. Allez, vas-y. Allez, on va continuer à explorer le truc. Même si je me souviens plus trop de ce qu'on foutait. Impeccable. Ah, c'est en italien, d'accord, je vois. Oh, c'est bien, double saut, putain. Je me sens vivant. Aïe, aïe. Évidemment. Allez, je meurs pas pendant cette partie. Voilà, impeccable. Et je crois aussi que j'avais chopé le cristal pour ouvrir toutes les portes bleues, si je me gourre pas. Vous me dites au niveau du son, hein, si c'est... Normalement, ça devrait être impeccable. Bonsoir. Ah. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai encore fait une technique avancée. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Tant pis. Ça en rajoute au mythe. Dans ma grosse mythe. Est-ce que j'ai... Ah oui, c'est vrai que je lance mon petit diamant, là. Oh putain, j'arrive pas à croire que ça allait marcher, mec. Ok, impeccable. On prend ce qu'on peut. On stab les bougies, poteau. Faut vraiment pas que je vous file un vrai flingue, les gars, parce que vu le nombre de gens qui sont en train d'essayer de se suicider avec la commande roulette russe sur le chat, là, c'est vraiment inquiétant, en fait. C'est vraiment inquiétant. Donc là, ok, j'ai plus qu'à visiter le reste du haut, là. Doudit. Voilà. Ça, c'est bon. Je peux aller au-dessus ou pas? Je peux pas aller au-dessus encore. Par contre, je peux aller là. Et j'ai quelque chose à faire ici? Non, j'ai que dalle à faire ici, c'est juste une petite pièce de merde. Très bien. On va bientôt arriver au moment où je sais pas où aller, ça va être super, mec. Donc attends, là, je passe par la droite, et je peux peut-être passer au-dessus, en fait. Tout simplement, on va voir. On va voir si c'est possible, sinon je me téléporte. Si c'est pas possible, je me téléporte et je vais chercher ailleurs. Faut vraiment pas que je laisse passer 2 semaines entre 2 parties de Castlevania, parce que c'est vraiment pas le coup, quoi. C'est vraiment con comme idée. Je vais me faire taper par un nain. Aïe aïe. Aïe, Castle Nagui. Je suis en train de me faire harceler par des pigeons. Ok, casse-toi. Tiens, mange ta merde. Voilà. Ils sont bien, ces petits diamants là, ils me font rire. Voilà, nique ta race. Voilà, impeccable.
Ils font pas beaucoup de dégâts, mais peu à peu, tu vois, un petit dégât par ici, un petit dégât par là. Et bah ça pique de ouf. Je peux vraiment pas aller au dessus là. Putain, ferme ta gueule. Bon bah écoute, je me casse. J'ai l'impression qu'ils viennent à l'infini en plus, c'est con là. Il y en a combien de ces cons là? Vas-y, je me casse. Je me casse, on va essayer de se TP ailleurs. Là où il y avait une porte bleue par exemple, je sais plus trop où, mais je sais qu'il y en avait. Ils me cassent les couilles ces trucs. Allez, c'est bon, je meurs jamais. Vous savez que quand je dis que je fais quelque chose, je le fais, hein. Ah merde. Merde. Oh putain. Voilà. Voilà. Non. Non. Voilà. Mais merde. Je déteste ce jeu. Vraiment, c'est insupportable. C'est le pire jeu du monde. Le pire Castlevania, le pire jeu du monde. J'ai baissé un peu le son encore. Voilà, c'est mieux. J'ai oublié en plus qu'on avait foutu un menu tout PD. À cause de votre faute. Ok. Impeccable. C'est le bot, il prend une conscience propre. Ah, empêchez pas les bots de travailler, hein. Je vous rappelle, les pauvres. Déjà qu'ils doivent vous suicider 7 fois par jour, là. Voilà. Attends, je vais me craquer une petite Monster Energy Ultra, mon gars. Boomer Core. Boomer Core, activate. Roll out. Boomer Core, roll out. Ah. C'est moyen. Hop, y'a rien ici, là. Non, y'a rien ici. Qu'est-ce que j'avais à foutre dans le coin? Y'a des trucs à voir en bas et tout. Écoute, tu sais quoi? On va aller visiter encore un peu. Ça va être un stream où il va pas se passer grand-chose. J'ai l'impression qu'on va énormément visiter, en fait. Parce que je suis un peu paumé. Il faut que je me refoute. Le jeu en tête. C'est quoi par terre, là? C'est pas grave. De lundi au lit, c'est Monster White et le Fry Friday, c'est Whisky Sec. Donne-moi cette bougie. Pas de bougie avant de faire votre prière le soir. Ça, c'est à moi. Heureusement qu'il y a toujours la bande-son de tueur parce que... Sinon, c'est toujours pas trop fort, c'est bon. Hop, toi ta gueule. Quoique, est-ce que c'est par là que je voulais aller? Oui, c'est par là que je voulais aller. Mais la saison 2 de Castlevania sur Netflix, elle est sortie ou pas? Je dis bien, on en parlait la dernière fois et je me souviens avoir essayé de trouver, mais j'avais pas trouvé. Enfin, essayé de chercher, mais j'avais pas trouvé. Et est-ce qu'elle vaut le coup surtout? C'est la première, ouais, la première était sympa, mais c'était pas non plus transcendant, si. Bon, non, si, c'était pas mal, j'avoue, c'était pas mal, mais c'était pas. Pas complètement ouf, quoi. Oui, il y a la saison 2, et oui, ça vaut complètement le coup. D'accord, ok, bah écoute, j'essaierai de la choper, alors, Mancar Camoran. Saloperie, ok, par là-bas. Ce que j'ai fait ici ne sert à rien. Elle fait un peu vide. Ah. Comme ta sœur. Ça la change. Haha. Comment je t'ai trop dosé, poteau. Hop, petite tarasse. Est-ce qu'on finit par avoir un putain de fouet dans ce jeu à la con? Parce que j'aime bien les couteaux et autres villes buzzées, mais bon. Ok, nice. Nice. Ça irait tellement plus vite avec un fouet, bordel de merde. Je suis en train de me faire raboter ma vie au fur et à mesure, c'est catastrophique, quoi. C'est du très mauvais management. Donc il faut que je repasse tout en haut et que je refasse tout le tour et que ça va me prendre 8 ans. Ah non, je peux même pas, en fait. Oh putain, faut que je repasse tout en haut, d'accord, ok. Oh là là, oh là 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 là. Ce jeu, mon gars. La patience nucléaire qu'il faut pour jouer à Castlevania. Parce que je me souviens, quand on avait commencé le jeu et que je demandais si on spawnait facilement, tout le monde m'avait dit « Ouais, ouais, on spawn de ouf, c'est la merde !» Et moi, j'étais là « Ah, mais t'inquiète pas, moi, je suis quelqu'un de super patient et ça va trop bien se passer. » Mais en fait, c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. Je suis quand même relativement positif, hein, mais là, j'avoue que j'ai jamais été très positif au niveau de mon sens d'orientation. Et le jeu me confirme que, ouais, c'est la grosse de merde. D'ailleurs, je crois que... Il y avait un truc, là. Yes. Et merde. Attends, y'a un truc à tenter, là. Y'a un truc à faire, là.
Est-ce qu'on est jamais passé par là? Non, on n'est jamais passé par là. Ok. C'est quoi? Attends, j'ai oublié de foutre Castle Vodka d'ailleurs. Dans la description, j'ai oublié de changer le titre. Castle Vodka. Voilà. Impeccable. Excusez-moi. J'ai oublié de faire la moitié de mon travail. Ok. Allez, go. Attends. Là. Et ensuite. Ha! Timing. Voilà, impeccable. C'est quoi cette merde? C'est une life up? Life up! Y'a rien d'autre à péter? Rien d'autre à péter, très bien. Ouais, bah c'est pas mal. Au moins ça m'a rempli toute ma vie que j'ai perdue à cause des autres enculés là. Voilà! Je sais pas ce que vous avez avec cette roulette russe, les gars, mais vous êtes vraiment. Vous avez une énorme fixation sur vous tirer une balle dans la tête en fait, hein. Vous êtes tous dépressifs en fait, quelque part. Après, je comprends, hein. Mais bon. Donc là, il faut que je monte tout en haut et que je passe à droite. Très bien. Je vais aller chercher ma bouteille de liqueur aux 1000 plantes. Au moins, elle servira à quelque chose. La liqueur aux 1000 plantes. C'est bon, il est con. Ah, il s'appelait Cthulhu en plus. C'est littéralement Cthulhu, il lui ressemblait pas du tout, mais en tout cas, il avait le nom, quoi. T'aurais dû mettre une chance infime de se faire Théo 666 secondes. Ouais, mais c'est pas moi qui fais les règles, poto, hein. C'est quasiment tout automatisé, donc... Moi, je pouvais mettre juste les messages rigolos, c'est tout, hein. Donc là, il faut que je monte encore. Non, haha. Tu vois, même la grosse boulet de mon côté. Non mais si je peux changer les timings Yadar, mais ce sera pour tout le monde, je pourrais pas mettre genre une chance de se faire Théo 666 secondes quoi. Si jamais ça perd, le mec il ferme sa gueule pendant 666 secondes et tant pis. Ah, j'ai gagné le boomerang. Tiens, nique ta mère. Hop, ah. Voilà, ça c'est bon. Je sais pas pourquoi je m'échine à prendre les cœurs parce que je suis au max depuis tout à l'heure, mais écoute. La peur de manquer. Là, je passe ou pas? Non, je passe pas. Et non, heureusement que j'ai foutu une minute de cooldown, hein, parce que sinon, le truc, il aura pété un plomb. C'est au-dessus ou en dessous, là? Ah oui, c'est jamais au-dessus ni en dessous. C'est un peu des deux à chaque fois. Nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. Yes. Pekeb. C'est pas drôle, sinon on va devoir unban à la chaîne. Bah, voilà. Ou alors, bah, ils arrêtent de jouer. Mais là au moins il y aurait une vraie comment on dit, c'est quoi, je vais faire ça maintenant, regarde. Hop, on va lancer Moobot. Ça en fait l'idée me fait rire. C'était où déjà? C'était dans Unique Commands, je crois. Russian Roulette Settings. Et on va foutre Timeout Duration en secondes 600. Voilà, ça fait 10 minutes, c'est 666, c'était pas mal. 666, c'est pas mal. Ah non, c'est entre 1 et 600. Et bah écoute, 600. Et le cooldown de 60 secondes. Voilà. Tac. Allez-y, jouez. Et là, pour le coup, il y a du challenge, tu vois. Là, il y a du challenge. Je vous regarde. Attention, Lysander qui essaye. Ah, Lysander qui survit, c'est bon. Clic. Peut-être qu'il y aura moins de suicides. Ah bah oui. Là, il y a un enjeu. Vous voyez, depuis tout à l'heure, ça jouait rigolo, mais là, ça déconne plus, là. Ah, il y a les putes. Ça va, elles sont pas trop résistantes. Attends. Pas grave, tant pis, je me démerderai. Ah! Fuck! Ok. Voilà. Normalement, c'est encore au-dessus, c'est ça? Ouais, c'est encore au-dessus. Encore bien au-dessus, même. C'est quoi? J'irai save, en plus, quand je serai au milieu. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à la fin du dernier stream, j'avais tout juste chopé le double saut et la clé qui permet d'ouvrir les portes bleues. Et c'est vrai que... C'est vrai que du coup, bah, j'avais pas franchement visité. Ah, ça fait peur, hein, parce que 600 secondes, du coup, ça fait... bien plus que 30.
Enfin non, même vous étiez, je crois que vous étiez, si la roulette russe ça marchait pas, c'était 10 secondes au début. Donc c'est de la merde, 10 secondes, attends, 10 secondes de mort. Pff. 10 secondes de mort, c'est quoi 10 secondes de mort, c'est que dalle. Alors que là, 10 minutes, bon. Eh, ça fait quand même 10 minutes. Ah. Agréable. Boomer Juice. Fait bien plus que mes doigts. Il me saoule ce tabouret. Ah, c'est une Ouija table, d'accord. C'est pas juste un tabouret qui marche, en fait. C'est une table de Ouija. Là, vous saviez que Poons adorait le Ouija. Si jamais vous avez envie de faire un cadeau un jour à Poons, vous pouvez lui offrir une table de Ouija. Elle va kiffer. Allez. Et voilà. Arcana qui s'est fait... bannir pendant 600 secondes parce qu'il a essayé de jouer avec une arme à feu. Et voilà, et voilà. Là, y'a rien, je crois. On peut pas aller au-dessus, de toute façon. Non, c'est la demeure, c'est la demeure, très bien. Ça va être quand les autres vont revenir demain et qu'ils seront pas au courant que maintenant c'est 10 minutes. Ouais, non mais je suis quelqu'un de facétieux, moi. Putain, je suis sage, range mon appart et ça fait des coups bas dans mon dos comme ça. Quoi, c'est des cadeaux. Je demande aux gens d'être gentils. Tac, et voilà, normalement, on peut peut-être descendre la colonne qu'il y a là. Ah! Voilà. Y'a rien ici? Rien ici. Ok. Non, non, mais tu débannes pas, Yadar, qu'est-ce que tu fous là? Non, mais c'est plus drôle si tu débannes, abruti. Putain, les mecs savent pas jouer, quoi. Tu débannes pas, tu laisses tranquille. Voilà, tu laisses tranquille. Tu joues, tu perds. Voilà, comme Discad, tu joues, tu perds. It's all the same to me. You win some, you some, it's all the same to me. Ok. Voilà. Du coup, donc ça, c'est fermé. C'est la merde. Je sais pas comment ça s'ouvre. Qu'est-ce qu'il nous reste à visiter, là? Putain, il est grand. Elle est grande, cette putain de map, là. Skad, aide-moi. Skad, tu connais par cœur Castlevania Symphony of the Night. Parce que tu l'appelles SOTN. C'est à ça qu'on reconnaît les mecs qui connaissent par cœur. Ouais, SOTN. Truc de ouf. Haut, droite, droite, bas, droite. Haut, droite, droite, bas, droite. Quoi, ça fait quoi? Aïe, aïe. Ah là! Celle-là, j'avais pas encore ouvert celle-là. Voilà, impeccable. C'est quoi? Ah! Là, je pense avoir ouvert les deux passages qui vont vers le bas. Il y a du progrès, il y a de la progression, mine de rien, là-haut. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hop, nique ta grosse race. Hop, ton boomerang, je le défonce. On dirait pas des boomerangs, on dirait des bananes qui l'enfuient. Après, je comprends, hein. Tu fais avec ce que t'as, quoi, mais bon. Tu crois que Dracula... Non, il peut pas manger des bananes. Dracula, j'allais dire, c'est un nazi, mais plus ou moins, c'est un vampire, et les vampires, ça... Oh! Library card, attack potion. Ok. Bon, bah, c'était un peu de la merde, mais écoute, ça a le mérite d'exister. Il y a rien de caché, là. Ok. Et là, il y a rien. Très bien. Ça marche pas comme ça, en vrai. Mais... Une seconde. Ah oui, non, c'est parce que tu t'es réveillé. Des fois, t'as une chance d'être immortel, en fait. Oui, c'est parce que t'as une... Lis bien la phrase, t'as une chance d'être immortel. Du coup, bah, tu t'es relevé. Donc ça, ici, ça doit être ouvert aussi. Et là, ça sera, du coup, la suite. Eh ben, putain. Pourquoi je me suis dit que j'allais continuer Castlevania, mine de rien? Attends, là. Ha! Ah, y a un truc, là. Oh, putain! Et là, non plus. Ok, là, il y a un truc. Ok. Bon, bah, je pense que je vais pas picoler ce soir, hein, avec cette connerie. Hein. Mine de rien. Je suis trop balèze, c'est tout. Underground Caverns, ow. Ah, il m'a piqué le cul. Tiens. Sale pute, va. Et là? Là, je passe pas? Comment on passe, là? Ah, comme ça, d'accord. Un zircon! Ah, bah, enfin. Je me disais, merde. Il me faut forcément un zircon pour mon salon. Ça fait moche sans meuble. Voilà. Ah, aïe, 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 aïe. Oh là 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 là.
Il me saoule, lui. Quel relou. Voilà. C'est ouvert, ça? Oui, c'est... Ouh, oui. Je prends. Voilà. Ok. Parce que ça parle de Ouija board du coup sur le chat et je trouve ça très intéressant. Parce qu'il y a Drektan qui persuade Punk que ça existe vraiment et que c'est pas juste des trucs Fisher Price. Mais en plus les Ouija board c'est des trucs Hasbro genre. Enfin c'est des grandes corporations quoi. C'est les grands patrons qui font ça hein. Quelque part. Je suis en train d'aller vers, j'ai l'impression, les entrailles de la Terre. C'est pas forcément une super bonne nouvelle, mais au moins je suis arrivé. Oulala, c'est énorme. Ok. Allô? Ok. Ah. Oh, putain! Une murène des neiges. Aïe, oh là là. Comment on fait déjà pour... Attends. Je me souviens plus comment on fait les coups spéciaux là. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Tant pis. Du coup, je vais essayer de le chlasse. Oh putain, mais j'arrive pas. Viens. Viens là, ta grosse mère à pute. Je peux lui foutre des petits coups de chlasse, mais ça marche pas tout le temps en fait. Elle est trop kiki, la tue pas. Si, elle a cherché la merde. Bah tiens, bim. Nique ta mère, file-moi un bonus. Non, bon, ça marche. Ok. Bon, c'était un tout petit boss. C'était même pas un boss. C'était un mid-boss. Ah. Mais c'est de l'eau qui me fait mal, en plus. C'est de l'eau magique. Aïe. Je suis sûr que c'est de l'eau bénite. De l'eau bénie heal. Ah, merde. Ok. Ah ok, ça s'arrête là, ok. Bon déjà, c'est déjà ça. Pourquoi la musique s'arrête? Pourquoi la musique est bonne? Oulou. Wow. Oh putain, il y a plusieurs murennes. Oh la vache. Ok, elle a 8 pouvoirs en même temps. Tiens, nique ta grosse race. Ok. Oh là 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 là, mec, c'est la grosse merde. En plus, elle fout des bulles. Je fais comment, moi? Je sais même pas si je peux aller la choper, parce que... À moins que je reste là? À moins que je me mette là? Attends, on va se calmer, déjà. On va se détendre tout de suite. J'ai une potion, là, qu'on va s'empresser de boire. De beuvoir, même, comme Simone. Ça, c'était une blague assez intéressante, quand même. Allez! T'es morte. Et bah voilà. Tranquille. Life max up. Franchement, c'était super easy. Et ouais, tu fais la gueule, Pounce, mais fallait pas emmerder. Crystal cloque. Ah bah j'ai un cloaque, c'est cool. Équipe, ça, Crystal cloaque. Impeccable, ça augmente ma défense. Qu'est-ce que j'ai de plus? Ça augmente rien. Ballroom Mask, ça augmente QD. MTN, on va refoutre le bouclier quand même. Est-ce qu'on prend Turfing? Turfing! 20 dégâts, 18. 24? 4 là, c'est 24? J'hésite à prendre. On va prendre ça, comme ça on va un petit peu. Comment on dit? Varier nos coups. Ça va être bien ça. Ah oui, Summon Spirit, Oba, nanana, ok, tatatata, très bien. Et Dark Metamorphosis, ça on s'en fout un petit peu. Faut surtout que je fasse Summon Spirit, j'ai l'impression que c'est super utile. Bonny Momo. Voilà, du coup on peut faire... Est-ce qu'on peut spammer les deux? On peut même pas cancel notre gros coup de coutela par un coup de dague, c'est dommage. Ouais, bisous Momo. Bomo, il a réussi à partir se coucher sans se tirer une balle dans la tête, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, sur le jeu du chat, je veux dire, hein, je peux pas IRL. Les gens, ils vont commencer à s'inquiéter. Ça. Ok, ça c'est bon, donc ça c'est fini, j'ai tout visité là. Ok. Va faire ton Ouija caca là, Momo.
Ton Ouija caca, vas-y, fais un Ouija tout seul, Momo. Prouve-lui que t'es un homme. Oh, un cimetière, ça va être bon, ça. Cimetière. Non, ça fait moins de dégâts encore. Moins de dégâts, mais est-ce que ça en fait rapidement les dégâts? Non, c'est de la merde, toujours. Autant prendre, du coup, une arme qui tape très très fort, mais lentement. Et voilà. Et compléter par la dague à côté, quand même. Je coupe des légumes sur ma Ouija board. Des légumes, c'est bon, ça. Hop, je prends ça, résiste ice. Ok, donc il faut que je retourne par là-bas. Boum, 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 ice. Boum, 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 papa, boum, boum, skibidi, papa. Skad qui a absolument envie de se foutre une balle. Ok, go. Il y avait vraiment pas d'autre passage, en fait, là. Putain. Comment on monte? Ah oui, non, si, il y avait des petits escaliers, remarque. Je suis con, oui, voilà. Voilà, c'est bon, en fait, c'est pas une paroi lisse. Dans ma tête, c'était une paroi lisse, du coup, j'étais piégé, mais en fait, pas du tout. Voilà, c'est bon, ça. Yes. C'est que depuis cet après-midi, j'ai Faladenza dans la tête. Elles sont bien, en plus, les dernières chansons de Little Big. Elles sont marrantes. J'aime bien, moi. La tenza, Faladenza, la coca de la boca. Hop. Nique ta mère. Impeccable. C'est quoi? Oh, un champignon. Un champipi, un champipi, un champicrade. Comment? Ah, putain, enculé, il m'a cancel. Tiens. Casse-toi. Voilà, impec. Et j'ai coupé la flotte, apparemment. Je sais pas trop ce que ça fait, mais... je l'ai fait, hop. Oh, un shit steak. Ah, je suis en train de noyer des mecs. Très bien. Ça me va. Donc il y a un petit aspect en plus physique où tu peux genre boucher des trucs avec des objets, etc. Noyer des mecs, c'est marrant, ça. Bon, ça a l'air bon, les shit steaks. Tiens. Donc là, j'étais pas encore monté. Parfait. On va visiter là avant de visiter le reste du souterrain. Je sais que c'est pas très orthodoxe comme façon de visiter un coin, mais quelque part, est-ce qu'on est orthodoxe déjà? Est-ce qu'on est tous orthodoxes ici? Toi, t'es orthodoxe? Moi, je suis pas orthodoxe, moi. Je suis même pas sûr ce que ça veut dire orthodoxe. Donc voilà. Orthodoxe pour moi c'est un genre de nom de médicament nul. Orthodoxe 4000, tu vois. Ça passe, non? Hop. J'avais pas un genre de sprint moi à la base. Ah fuck. Fuck. Merde. J'en ai marre. Tiens, nique ta mère. Toi, je te bute avant. Toi, je te bute après. Oh! Bim, voilà! C'est quoi, je vais garder le glaive parce que c'est comme en fait l'arme à une main qu'on a. Le glaive est mieux. Enfin, la dague est mieux parce qu'elle tape plus vite. Et le glaive, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais j'ai drainé la vie d'autres putes juste parce que bah, j'ai tiré super vite avec mon glaive. Et ça, c'est street cred. Hop, ta mère. C'est long cet escalier, il est très très grand, j'ai l'impression. Je sens que je vais regretter parce qu'il va falloir que je refasse tout le chemin inverse. Tu la sens la couille? La sens-tu, la quenouille? Voilà. En vrai, quand il y a un enjeu, j'ai plus envie... Le fait qu'il y ait un enjeu, j'ai plus envie de le faire. Plus envie de le faire, je comprends maintenant pourquoi les gens, ils y jouent en vrai. Tu crois qu'il y a des gens qui jouent pour le fun à la roulette russe? Franchement, avoir un pet au casque. Hein. J'ai un pet au cul. Je suis où, là? Ok. C'est moins chiant à descendre, en principe. Ouais, en principe, il va quand même falloir que je me tape la plupart des mobs. Quoique, remarque, je pourrais passer devant, hein, mais c'est juste qu'ils m'énervent de leur présence. Leur présence m'incommode. C'est quoi, ici? D'accord, je repasse là. Très bien. Toi, je t'ai tué littéralement pour rien. Ferme ta gueule. Voilà. Nine, bye-bye. Cadeau. C'est hyper chill comme bande son, absolument. La bande son est vraiment stylée, j'adore. Ok, ça c'était vulgaire comme passage secret. Un bandana avec deux N, ça veut dire qu'il bande encore plus facilement. Voyons voir. Est-ce que je peux l'équiper direct? Ça augmente mon intelligence de 1. Très bien. Du coup, on redescend la salle délire. Ouais, on va redescendre. Attends, qu'est-ce que j'ai oublié de visiter? Ah oui, j'ai oublié plein de trucs, en fait.
Hop, bon bah écoute, on descend pareil. Impeccable. On va essayer de tracer un peu. Hop, hop, hop. Du fric. Ta gueule. Ouh, cette parade. Cette parade extrême. Extrême dinosaure. Est-ce qu'on est bon? Ouais, c'est là que je voulais aller. Voilà. Oh là là, encore des escaliers. Mais c'est quoi cette merde? Je suis climacophobe, moi. Yes. Je peux l'ouvrir, ça? Non? Je peux juste sauter dessus? D'accord. Encore une max-up. Putain, la vache. Nice. Je suis en train de m'invincibiliser, j'ai l'impression, là. Y'a rien d'autre? Y'a rien d'autre. Très bien. La tenza faradenza, la boca de la coca. Bon, je vous dis, ça va pas être un stream très très long sur Castlevania, hein. Ça sera juste histoire de finir la soirée. La semaine prochaine, je pense que je ferai du Stetskov Syndicate et aussi du Quake. J'aimerais bien faire les deux. Quake en première partie de soirée et ensuite Stetskov Syndicate pour finir. Je pense que ça peut être une très très bonne idée. Yes. Et Quake 1, bien entendu. Le meilleur. Oui, je préfère Quake 1 aux autres. Ouais, non, je sais, c'est un petit peu... c'est un petit peu ouf à dire comme ça, mais... écoute, moi, je dérange. C'est pas nouveau. Plus ou moins le Alex Jones du jeu vidéo. Oula. Où il y a de la physique là-dessus, là. Où j'aime moyen. Ta gueule. Je peux pas aller dans la flotte? Je sais pas si je peux aller dans la flotte ou pas. Non, je peux pas du tout aller dans la flotte. Très bien. Turns the freaking frogs gay! Pekeb? Bonjour! Bip! C'est pour ça que je les tue aussi facilement, les grenouilles ici, parce qu'elles sont tous gays. À cause des trucs qu'on fout dans la flotte. C'est dans quel. Je me souviens d'une fois de Alex Jones avait dit que les homards, ils étaient. Comment on dit. Ils avaient des pouvoirs. Psychiques. C'était génial. Ce mec est fou, enfin c'est incroyable ce qu'il fait dans la vie, quoi. Allez vite, chop. Ah, je peux pas, d'accord, très bien. Je peux glisser ou pas? Non, je peux pas encore glisser. Très bien. Là, il y a de la flotte. En grande quantité. Les homards télépathes, c'est génial. C'est super, ça. Mais c'est genre parce qu'il y avait quelqu'un en face de lui qui avait une bague avec un scorpion dessus. Et il fait, c'est quoi ça, c'est un homard? Et il fait, non, c'est un scorpion parce que c'est mon signe, machin, et c'est cool. Et l'autre il fait, ouais, mais les homards c'est télépathe. C'est génial parce que je suis sûr qu'en plus il croit à ce qu'il dit, mais je sais même pas s'il croit à ce qu'il dit, mais je trouve ça génial. Il y a un solo sur Quake, s'il te plaît, quoi. S'il te plaît, Nitro Cuite. Il y a un des meilleurs solos de jeux vidéo, juste après Doom, sur Quake 1. Oh, Caron! Ça, poteau, je peux passer? Merci, les contes de la crypte. What? Ok, il m'amène 10 mètres plus loin, quoi. Oula, 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 oula. J'étais qu'à moitié confiant, mais ça va. Avec le petit regard, pauvre fou, il ne sait pas. Mais oui, c'est ça. Il a ce petit regard, genre... Pff, tout le monde sait ça, tu sais. J'adore. C'est génial, c'est du génie, quoi. C'est du génie, clairement. Ok. Sympa la petite balade en bateau, mais en Venise. En Venise, en... comment on dit? En gondole. Mermaid statue. J'ai passé un niveau ou pas? J'ai pas vu. C'est quoi une mermaid statue? Ça fait quoi les mermaid statues? Spell? Non, c'est pas ça. Relique. Merman statue. Summons the horseman. The horseman? C'est quoi the horseman? Hey Jackie! Where's the horseman? Ça va? Et je peux summon le horseman. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis pas vraiment sûr de ce que c'est. Les contes de la crypte, les vrais refs. Eh oui, poteau, mais tu sais pas où t'es, toi.
On a que des rêves de beau gosse ici, poto. C'est le rameur. Bah oui, mais qu'est-ce que ça peut lui foutre au rameur? Ouais, mais comment ça je peux invoquer le mec qui pagaie? Je comprends pas le... C'est lui là? Je crois que c'était Ferryman son nom. Ferryman! Touloulouloulou. En plus, il m'a oublié cet enculé. Attends! Attends! Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Moi, j'en étais à l'homme pagaie. C'est nous ça. On est tous pagaies ici. Personne n'a attrapé le guet encore, je sais. Je sais de source sûre. L'homme pagaie, quoi. Oui, c'est ça, en fait. C'est le passeur, mais c'est bizarre. Mais comment ça, je peux le summon? Je peux le summon de Beauvoir? C'était un peu marrant, quand même. C'était un peu marrant, quand même. Je peux le summon de Beauvoir. T'as compris? Du coup, je peux repasser par là-bas. Il y a des gays, si tu penses, la grosse boule magique a dit oui. Drektan, t'as pas un truc à nous dire, Drektan? J'attends. J'attends Drektan. Mais c'est comme sur Canard PC, tous les chroniqueurs, ils ont des... Enfin, les gars qui font les articles, ils ont tous des putains de noms super stylés. Genre, il y en a un, c'est Noël Malware. C'est super, non? J'adore, moi. Et du coup, il y a l'autre côté à visiter. Allez, go. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Je sais pas si le jeu est dur. Au-delà de ça, j'ai l'impression que les parties dures sont plus ou moins passées maintenant. Voilà, life max, oup. Impeccable, mais non, c'est pas tout. Ok, d'accord, il faut que je remonte. Comment je remonte? How do I remonte tout? How do I remonte tire? Je sais pas comment faire pour remonter. Ah, peut-être ici? Yes? Absolument pas? Non, c'est pas ça du tout? Non, c'est pas ça du tout? Non, y'a que... Oh! Ah non, j'ai pas fait exprès. Ok, bon, bah... How do I remonte? It is going to be a piece of shit, hein. Bon bah écoute, il va falloir que je repasse par là-bas, hein, tant pis. Enfin, je me retape en plus le ferryman. Attends, je peux pas faire apparaître le ferryman là. Pepsi Man. Non, je vous streamerai pas Pepsi Man. C'est de la merde. Est-ce que tu peux apparaître homme ram, homme pagaie? Comment on fait pour le faire apparaître? On peut pas. Summon the horseman. Je sais pas. Je sais pas comment on fait. Bon bah c'est pas grave. On va passer par l'autre côté. Hein. Le combat steppé ni rien. Ça me manque les terroristes à chlasser à la M4, j'avoue là. Sale putain. À transformer les grenouilles en gays. Turn the freaking frogs gay. Bip. Ça c'est bon. Allez, y'a quoi déjà? Ah bah c'est là, voilà, c'est bien là qu'il faut que je passe. Non. T'as pas un bouton en forme de pagaie quelque part? Point ne me semble. Peut-être de l'autre côté, non? Quoique, non, je crois pas. Écoute, on verra, Drektan, on verra. T'inquiète, Drektan, laisse-moi paniquer tout seul, tout va bien se passer. Toi, tu sit back et tu relax. Relax. Don't go easy. Relax. Take it easy. C'était bien de la merde cette chanson d'ailleurs à l'époque. C'était pas Mika qui chantait ça? Ah, on peut passer par la tête maintenant. Vu qu'on a le double jump, comme on dit dans la langue de Jay-Z. Normalement c'est bon là, non? Oula non, oui c'est trop haut. On est déjà passé par là tout à l'heure en fait. Et là-bas on pouvait pas? Si? Quoi si? J'ai pas compris. Si quoi? Ah oui, si, Mika, d'accord. Putain mec, je dis tellement de conneries que j'arrive plus à me souvenir de ce que j'ai dit. Ok, c'est pas grave. Et c'était pas de la merde. Oh, quand même, c'était un petit peu de la merde. À vous, Drektan. C'était quand même un petit peu de la merde. Toi, avec un garçon avec des goûts aussi sûrs.
Ok, c'est pas mal quand même le double truc avec la dague et le cimetière, c'est pas mal du tout. Parce que du coup, les ennemis qui nécessitent un tout petit peu plus de portée, je peux me permettre de les chasser relativement facilement. Et les autres, je m'occupe d'eux à la dague, c'est bien. Mon setup il est bien là, je peux continuer à m'auto-sucer sur mon setup pendant tellement longtemps. Il va falloir que je passe par en haut du coup maintenant. Hein. Ouais. Allez, on va se TP. Eh bien la chanson là. Hein. À chaque fois que je dis ça, parce que j'adore cette chanson. Et je me rends compte que maintenant ça fait un peu de moi un autiste. Mais c'est pas très grave. Je vis avec. T'as nique ta mère. Ok, t'es pas mort. Nique ta mère, merci. Oh si Drektan, arrête tes PD. Allez Drektan, avoue-le, ça te fera du bien. Confesse sur PD-tri. Ah. Est-ce que c'est un des premiers à être sorti d'ailleurs, Symphony of the Night? Ou est-ce que c'est un plus des derniers? Non, c'est un des derniers, Symphony of the Night, les premiers ils sont pas comme ça. Du coup, ça veut dire que le level design a été raffiné depuis. Ça veut dire que les premiers devaient être encore pires. Ça veut dire que je suis bien content de pas avoir lancé plutôt les premiers Castlevania, genre 1, 2 ou 3. Je crois que 1, 2 ou 3, ils sont vénères en plus. Ils sont tendus, version ton personnage, il est tendu, il est comme on dit, il est rigide. Soul of Wolf. J'ai une âme de loup maintenant, qu'est-ce que ça peut me foutre? Soul of Wolf. Transform into Wolf. Ah, d'accord. Et bah c'est pas mal. Et les spells, bah j'ai pas de spells. Comment on fait pour transformer en loup? Comment je me transforme en loup? Doody doot. Oh waouh! J'avais oublié eux. Ils ont des guns, mec. C'est littéralement une colonne de fusiliers, quoi. Ok, on va passer par en bas. Comment on fait pour se transformer en loup? On se transforme en loup, moi, je veux voir ce que c'est, moi. Comme dans... C'est lequel, déjà, de... Wow. Hop, Taras. Oui, je voulais faire une référence à... comment ça s'appelle? Non, regardez, j'ai regardé ça tout à l'heure. Love, Death and Robots. Qui est génial d'ailleurs. Et l'épisode avec les loups-garous était très cool. Pas un des meilleurs, mais cool. Et j'aimerais bien pouvoir me transformer en loup aussi. Mais apparemment, j'ai pas le droit. Comment qu'on fait? Si quelqu'un sait comment on se transforme en loup, franchement, je prends. Hein. Là, dans mon état, je prends tous les conseils, quoi. Métamorphose, c'est celui-là que tu cherches. Voilà, c'est ça, métamorphose. D'ailleurs, j'ai pas compris, les petites icônes à chaque début d'épisode, en fait, ça a rien à voir avec le reste de l'épisode. Putain, un duron. Voilà, nique ta race. J'ai l'impression que c'est ma cape en cristal qui brille, en fait. J'ai l'impression que depuis que j'ai foutu ma cape en cristal, elle brille rigolo. Avant, c'était une belle cape rouge, et maintenant, je clignote de partout dès que je fais un mouvement, en fait. D'accord, je suis pas encore venu ici. C'est super stylé. C'est vraiment super classe, j'adore les grandes bibliothèques comme ça. Mais genre des bibliothèques impossiblement grandes. Je suis vraiment trop fan de ce trope, comme on dit. Trope. Voilà. $1. I'd buy that for $1. Ouh, d'accord. Ok, j'ai fait tout ça pour ça. Bronze cuirasse. Eh bah écoute, ça va être bon ça, non? À la place de mon silver plate. Rien, c'est de la merde. C'est de la merde, j'ai fait ça pour yinr, comme on dit. Bon bah écoute, ça c'est fait, maintenant où est-ce que je peux aller, tu penses? Au-dessus là-bas? Ouais, au-dessus là. Je le sens bien. On devrait pouvoir maintenant avec le double saut au critical sur un homme puce. Top. C'est bien ça dont j'avais besoin, tiens. Merci, Konami. Non, merde, je sais même plus qui c'est. Voilà, ça va être long de les passer, ces connards. Ok. Voilà. Donc normalement, si je monte, là en haut, il devrait y avoir d'autres trucs que j'ai pas encore explorés.
devrait demande à de greffe. C'est tout bénef. Hey les raclis, vous savez qu'on vous kiffe. Et Lord Co, explique l'ambiance morceau, c'est pour le L-A-S-C-A-R-S. J'espère qu'ils vont pas me suivre, les amibes, là. Amibes. T'as ces putains de bouquins de merde, en plus. Ah, il y a des petites plantes. J'ai oublié les petites plantes. Hop, voilà. Est-ce que je peux passer là? Ouais, du coup, il faut que j'aille en face, en fait. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a tous les bouquins, ils vont me faire de ma vie un enfer. Je le sens. Oh là 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 là. Oh, c'est la de merde. Oh là 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 là. C'est pas grave, c'est pas grave. On passe, on ignore, on ignore, on ignore. On ignore la faim, on ignore la peur, on ignore la haine. Aïe aïe aïe. Non, eux ils sont chiants par contre. Eux on les ignore moins eux. Ouh ouh ouh. Tiens. Ouh, level up. Pour le loup, presse deux fois la direction que tu veux prendre. Ah ouais? Bah non. Tu fous ma gueule. Non, c'est pas ça. Ça a commencé un truc, mais c'est naze. Bah oui, je suis pas en loup, là. Ils disent R2... Ah bah oui, voilà. Là, je crois que c'était un raptor. Bah voilà, R2 plus direction, pourquoi tu me le dis pas direct? Voilà. Par contre, il peut pas courir un peu, là? Ah bah si, il sprint. Il peut que aboyer, sérieux? D'accord, donc dès que je me tape, ça fait ça, d'accord, très bien. Bon bah écoute, maintenant je sais comment passer sous les murs, etc. là. En utilisant le loup. Ouais, ça c'est moins naze, pour le coup c'est moins naze, ouais, carrément. Et on est au bord de la nazerie quand même, hein. Putain, c'est pas là. Non, il va falloir que je passe ailleurs, Mais tu peux rien faire si t'as pas de sort. Ouais, mais quand même, ça permet de passer sous les obstacles, tu vois. Donc ça fait quand même de l'avancement. Et pour le horseman, du coup, là. L'homme pagaie. Aïe, aïe. Ta mère et ta sœur, voilà. Ta mère et ta sœur, en le sur la R21. En train de tourner en rond, en fait. Faut que je continue. Vous êtes sort, tout à fait sort. Il en manque une. Putain, un jour je vous le passerai aussi, la folie des grandeurs, mon gars. Je pense que un des dimanches prochains sur le drive-in, là, je vais vous passer les tontons flingueurs et la folie des grandeurs. Les deux en une soirée, mon gars. Je vais vous cultiver à un niveau. Vous allez parler tellement bien après. Elle sert à rien, c'est juste que maintenant ils ont fait pop Lordsman sur la map. D'accord, ok. C'est chiant, c'est pas clair les reliques là. Le drive-in franchouillard. Ah bah là, ça a préparé les baguettes de pain et les saucissons, je te promets. Hein. Dimanche prochain. Ouais, dimanche prochain, je peux, ouais. Donc, du coup là, on va passer tout en haut. Pourquoi il y a de la brume maintenant? Je ne sais pas. Et je reste planté là. Wow, 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 wow. Oh la vache. Oh la violence du truc. Pourquoi il y a de la brume de bâtard maintenant? Là, je comprends pas le... Qu'est-ce que ça implique? Oh non, pas les têtes de méduse. C'est horrible. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Elle m'énerve, ces têtes de méduse, mon gars. Ça me met dans un état à chaque fois. Dans quel état tu t'es mis dans tous ces états? T'es bien. T'as mangé de l'origan en Oregon. Mange pas ça. Hop, ta gueule. Comment tu respires là-dedans? Ouais, ça c'est... Pour le coup, c'est vraiment de la purée de poids, quoi. Allez, on va essayer de passer par là. C'est la prochaine grosse étape, j'ai l'impression. Il y avait aussi l'espèce d'épée, là. Pas Deadpool, hein. L'épée qui summon d'autres épées, là. Qu'on n'avait pas passé, parce qu'elle arrêtait pas de me schlasse. Dès que je passais un peu à portée, c'était relou. C'est quoi, je vais save là, en plus. Comme ça, on sera sûr. Ou en gros, si t'as pas des reliques à certains endroits, bah tu dois le faire à la nage en te faisant niquer les PV. D'accord, ok. Parce que j'ai fait ça au début, en fait. Il y a un moment où je passais et je pense qu'il fallait le horseman et j'ai fait tout à la nage. Parce que quelque part, je suis quelqu'un d'assez intelligent quand même.
assez dans le move. Comme dirait personne d'ailleurs, plus personne ne dit ça. Tiens, je vais prendre la Bible, j'aime bien la Bible. Pas IRL, hein, j'ai jamais lu la Bible. Mais par curiosité quand même, j'aimerais bien lire la Bible, juste pour voir comment c'est. Ça doit être marrant quelque part, doit y avoir, ils ont de l'humour, hein, les curetons. Est-ce que je suis déjà passé ici au moins 4 ou 5 fois? Je crois que ouais. Je crois que je suis déjà passé des milliards de fois, parce que c'est à l'extérieur ça. Je crois que ça mène à l'extérieur et que je suis passé déjà tout à l'heure. Non? Non, je suis pas passé. Je suis pas passé parce que je me souviendrai des... Tiens, nique ta race, que lord. Ça l'enculé. Putain, il m'a niqué en plus. Faut que je retourne en haut. Faut que j'essaie de retourner en haut. La Bible, on m'a spoilé à l'école privée. Oh, dommage. Moi, j'étais à l'école privée, mais un peu trop tôt. Enfin, la fois où j'étais à l'école privée, en fait. C'était trop tôt dans ma vie pour qu'on m'apprenne la Bible. Du coup, et qu'on me la fasse lire. Du coup, j'ai pas lu la Bible. Et mon père l'a lu, et j'aimerais bien savoir comment c'est dedans. Je suis sûr, c'est super cool. Parce qu'à chaque fois, les mecs cool, ils la citent quand ils tuent des gars. Donc, moi, à mon avis... Non, non, non. Voilà, Magic Missile. Magic Missile. Magic Missile. Aïe, aïe. Ok, ça passe. Est-ce que tu crois que je peux passer en sautant au-delà, là, par contre? Oui, tellement large. Magic Missile. Magic... Vous avez vu que le pentagramme, c'était pas du tout un pentagramme, c'était une étoile de David. Ouh! Oh, je veux ça, moi! S'il te plaît. Oh, putain! Qu'est-ce que je voulais voir? Oh oui, Magic Missile. Non, c'est pas dans les spells, bizarrement. Dans mes cutlass? Magic Missile. Magic Missile. Shoot a Magic Arrow. Bah écoute, impeccable. 38 de dégâts? Mais il n'y a qu'une seule utilisation? J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule utilisation. Oh, damage boost. Magic Missile. Ça m'a utilisé du coup? Ouais, ça m'a utilisé. C'est quand même bien de la merde. Le pentagramme, c'est pareil. Damage all enemies. Ouais, d'accord. J'ai utilisé mon Magic Missile pour rien parce que je voulais tester un truc. Mais au moins, nous sommes désormais mieux informés sur... Je suis tombé. Je suis tombé. Je pense pas qu'on puisse remonter directement comme ça. Voilà. C'est bien, Bruti. Impec. Bravo, Russiane. Tu peux être fier de ce que t'as accompli ici. À part que tu recommences tout. Pauvre Brel. Et non, pas l'artiste chanteur, non, non, non. Pas celui qui chantait La Mer du Nord pour Dernier Terrain Vague, non, non, non. Je te parle de la grosse brelasse, moi, genre... Laurent Ruquier, par exemple. La directrice a dit à mes parents que si je me faisais pas baptiser, je pouvais pas rester dans l'établissement. Et bien... Bon, j'ai pas eu de soucis, moi, mais j'étais en établissement privé unique... Genre de la petite section, je crois, au CM1. Du coup, ils m'ont jamais demandé de me baptiser. Ça m'aurait fait chier, donc j'aurais dit non, de toute façon. Ouais, mais je suis un fou, j'ai été athée quand j'avais 8 ans. Ouais. Alors, Nicolas, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? La preuve que Dieu n'existe pas. Je veux que l'homme soit libre et que ses desseins soient uniquement rattachés à l'homme pour l'homme. Canis canem edit. Dieu est mort, comme disait Nietzsche. Ça, c'était moi, ça. Ça, c'était moi à 8 ans et demi, par exemple. Merde. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, voilà. Shut your gueule. You stupid fuck. Hop, ça passe, impeccable. Voilà, ça passe. La science vaincra. LOL. La Bible, c'est... Oh non, non, non. Pas maintenant. Not now. I am too young. Ok, donc les méduses vertes sont celles qui te pourrissent la vie. Très bien, je note. Et on est passé dans comment on appelle ça, la partie steampunk du château de Dracula. Il y a toujours eu une partie steampunk sur tous les châteaux de Dracula. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'à partir d'ici, on peut sauter sur un des piédestaux. Comment tu penses qu'on peut là?
Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Il faut juste que je le fasse un peu plus tard, je pense. Mais c'est bien ça, ça nous fait sauter sur un piédestal. Hop. On va commencer ça, t'inquiète pas. Voilà, impeccable. Regarde, on perd même pas de vie. Parce qu'on est des PGM, finalement, quelque part. Regarde, hop. Non, non. Heureusement que je suis mortel, putain. Heureusement que j'ai un taux de midi-chlorien. Truc de ouf, quoi. Je suis saturé en méditerranéen, mec. S'ils me font passer un test où je dois souffler, je suis niqué, hein. Ok, par là. Non, on va continuer par là, parce que j'aime pas trop la harpie, là. Harpie fraîcheur verte. Aïe, aïe, non. Non, non. Ah, c'est bon. Ok. Allez, pifons tout ça. Chat. Chat. Non, 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 à mon avis, je peux encore, il va falloir planer. Et on peut encore planer. Merci beaucoup, Boumlou Chacha, dis donc, c'est super classe. C'est super classe comme nom. Boumlou Chacha, merci mec pour le sub. C'est marrant, je t'ai jamais vu parler, il me semble. Sinon, parce que ça m'aurait... pas ça m'aurait, hein, mais ça m'aurait tiqué un peu un pseudo comme ça. Tu fais partie de la masse silencieuse, c'est ça, tu fais partie de ceux qui regardent de loin, qui se branlent dans les fourrés. Ah, niqué. Ah, niqué. Okay. Bon, je vais arrêter d'essayer de piffer le loot, là. Parce que je pense qu'il faut, ouais, un truc qui va nous permettre de planer plus tard. Hop. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Voilà. Ouh. Oh, putain, avec les médusas partout, ça va être une catastrophe, ce coin. Oh, il perd des plumes. Ok. Il y a des pics, mec. C'est une catastrophe, ce coin. J'en suis où, là? Ok. On remonte. Ah, fuck. Oh, c'est chiant, ce truc. Oh là là, je sens que ça va me saouler, là. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas me transformer en petit chien. Hop. Ça va me saouler. En plus, ça fait énormément de dégâts. Impec. Casse-toi. Je t'écoute pas, t'es pas là. Voilà, nique ta grosse mère. Ha. Où le vent. Sous le vent. Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit. Après les dangers. Hop. Ça, c'est bon. Le mec, il a explosé. C'est comme si j'avais pris la mer. Ouh là. Un Sword Lord. C'est le nom du prochain groupe de métal, ça. Sword Lord. Sword Lord. Est-ce que je peux juste me foutre un petit coup de potion? J'ai que dalle, là. J'ai plus de potion. Ah si, j'ai ça. C'est bon, ça. Hop. Miam miam. Voilà, ça c'est impec. Et du coup, je me refous... Toolfing. Est-ce que je me mets Toolfing? Qu'est-ce que c'est Toolfing, déjà? J'ai vu une série de tout petits pets comme ça. Je vais refoutre la dague parce que j'aime pas trop le diamant. C'est un peu bidon, le diamant, j'avoue, comme arme secondaire. Attends, on va tâcher de bien visiter ça. Ha. Ha. Fuck. Cha. Putain, mais pourtant, je suis à l'apex de mon saut, mais ça marche pas. Oui, parce que apex, c'est un vrai mot, hein. Bande de sale nerd. Oula. Par contre, il a pas pris de dégâts quand je l'ai tapé avec Kulfing, alors je sais pas trop pourquoi. J'ai fait une série de tout petits pets comme ça. Mais elle fait peu mal ou quoi, Toolfing? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ou alors parce que c'est un Sword Lord, je peux pas le niquer avec une épée? Non, ce serait complètement con. J'ai l'impression que Toolfing fait pas de dégâts du tout, en fait. On va reprendre... Red Rust... Cutlass, voilà, c'est ça. Impeccable. Apex Citron, c'est bien ça, c'est pas mal. Oula! Oh, c'est devenu une Rogue Sword. Qu'est-ce que c'est? Ça m'intéresse plus. Je veux plus. Voilà. J'aime pas les épées là qui flottent, elles sont là genre. Mais moi je suis là genre. J'ai perdu toute forme d'élocution humaine. J'éloque plus rien là. Hop, nique ta grosse race. Non. C'est la grosse merde. Et voilà. Ah bah merde, je vais devoir couper le stream. Ah c'est con hein. Ah bah merde. Eh ?
Mine de rien, j'ai survécu un petit peu, hein. Bah oui, santé, évidemment, santé. Hop, un petit, hein. Allez, un petit. Putain, elle est tellement vieille, cette vodka, elle est même plus... Elle est limite plus liquide. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle a une masse volumique de 7000. Attends. Allez, la première, elle va piquer. Putain, rien que les... Ah, putain. Rien que le... Comment on dit le... L'odeur, rien que l'odeur, les fragrances. Allez, go. Yes. Yes, c'est dégueu. Oh la vache. Oh la première est tue. Ah. Le ciel en Oldie qui pourrait te plaire, c'est Shadow of Rome sur les combats gladiateurs. Bah oui, je sais, mais il faut forcément. Comment on dit, il faut forcément une PS2 pour le streamer parce qu'en en émulation, c'est. c'est quasiment impossible. Attends. Putain, le boomer juice plus la vodka, mon gars, ça va faire une réaction, je vais exploser en stream. Où est-ce que j'étais? À des milliards de kilomètres de là. Très bien, il faut que je recommence toute la partie là. Max Fun! Ouais, Shadow of Rome, j'aimerais bien, hein, mais il est vraiment super chiant à émuler, ouais. On sent que tu salives bizarrement, mais je sais pas, j'ai une crise de salivation là, donc. Faut forcément un gladiateur, non. Faut forcément une PS2 pour le streamer celui-là. Hop. Vas-y, je me fais paniquer. J'ai pas pris le Magic Missile pour l'instant. Je pense pas qu'on va en avoir vraiment besoin très très vite du Magic Missile. Magic Missile. Tant pis. Oh. Merde. La putain de sa race. Voilà. Pécab. Allez, c'est reparti pour l'enfer de Dante. Et ces 8 cercles de la chiasse. Oh la vache, les relents de vodka, c'est ce qu'il y a de pire. Enfin non, le loco, c'est ce qu'il y a de pire, mais le relent de vodka, c'est quand même là-haut aussi. Hein. Y'a un autre ici? Un autre, très bien. Je reprends la Bible. Parce qu'en plus, je pense que la Bible, si je la claque maintenant... Voilà, je peux me balader tranquillement parmi... Among the Medusa Heads, comme dit la chanson de Dragon Force. Aïe, aïe, attends, descend. Perds pas ton temps. Est-ce que j'ai drop? Ouais, c'est ça, j'ai drop ma Bible. Je vais la reprendre. Voilà. Faut surtout pas... Faut vraiment que je garde la Bible parce que là... garde la pêche, je la mangerai au goûter. Ça va me saouler. Ça va me casser les couilles. Elle a réussi à esquiver ma putain de Bible. Ce putain de jeu, mec. Oh là là. Ok. Ta gueule. Non. Voilà, ta gueule. Non. Non, pas stone, il faut pas être stone et charden. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on peut passer par là? Oh oui. Save room. Say my name. Flea armor, d'accord, donc c'est un homme puce avec une armure maintenant. On invente vraiment n'importe quoi. D'abord les lancers de nains, maintenant ça. Tout ça dégueulasse. Le monde est stone. Ouais, je sais. Je sais, Romtou. Il est là le problème. Aïe aïe, je me suis fait chlasse. Ok, je me fais chlasse par les mecs en armure. Oh là, ok. Faut se calmer par contre, faut se détendre. Voilà. 33 PV, ça va, je suis encore large. Putain, mais ils sont super vénères ceux qui sont en armure là. Voilà. Y'a rien d'autre là? Voilà. Pourquoi tu vas dans les rêves, parti? Oula! C'est quoi tu là? Ok, y'a un Power Ranger. Cloak Knight. Ok, le chevalier cloaque. Toi contre moi, chevalier cloaque. Ah. Eh ben c'était pas ouf comme boss fight. Je crois que c'était vraiment un boss fight, je suis du coup un tout petit peu déçu. Ok, il y a d'autres trucs au-dessus. À moins que non, finalement non. Y'a pas une petite save room dans le coin, franchement, là. Heart max, hop. Une toute petite save room. Oh, bon, bah tant pis. Allez, il faut que je continue.
Non, faut que j'aille en bas, je me suis couru. Par là, doucement. Casse-toi. C'est le boss qui avait pas le droit de venir. Vous me saoulez, votre... Putain, qu'est-ce que je déteste les nains, quoi. Déjà, depuis Passepartout, je trouvais que c'était un petit peu trop. Passepartout et passe-moi le sel, ou je sais pas quoi, là. Connard. Oui, t'as trois clés. Eh ben, fouille-toi au cul. En plus, Passepartout, c'est mignon. S'il se fout les clés dans le cul, ça fait un petit portefeuille. Cheese. J'ai gagné du fromage. Donc ça, c'est bon. Du coup, bah, c'est par là, hein. J'ai réussi à pas me faire... Ah, fuck. Non. Yes. Ok. On passe par au-dessus. C'est un peu plus tendax que tout à l'heure quand même, mine de rien. Mais là, vu que j'ai eu les max-up et les hard-up et tout, normalement, ça devrait passer un petit peu mieux. Tout à l'heure, j'étais un petit peu serré niveau thune, mais là, maintenant, ça va mieux, là. Niveau... vie, je veux dire. Pas niveau thune. Il faut que je défonce avant. Il faut que je défonce les Rock Sword. Rock Sword. Vraiment, il faut... Ou alors, limite, que je les ignore, mais à un niveau submatériel. Genre que je les ignore quand elles sont encore des chevaliers, quoi. Putain, j'arrive pas à passer. Casse-toi. Oh. C'est pas très drôle. Ah. Je suis en train de me faire schlasse par la vie entière, quoi. Par toute la création. Je suis l'âne le plus bavard de toute la création. Ok. Ta mère, ta grosse sur la chouin. Voilà, c'est bon. Passe-moi le beurre, il est breton, paraît-il. Ma grand-mère a dit, le beurre doux, c'est uniquement pour le cul. Du coup, je la crois. Je vais t'arriver. Désolé. J'ai dû faire saturer un petit peu le micro. Je suis désolé. Moi, quand ça me prend, j'arrête plus rien. Je contrôle plus. Là, il y a du Psartek où je m'appelle pas Russiel. Voilà, laisse-moi passer là. À tes souhaits. Merci beaucoup, Yada. Tu es bien urbain. Ouh! Comme le pape. Le pape urbain 2. Tu connais le pape urbain 2? Il paraît qu'il était très agréable, surtout en société. Ok, normalement, il devrait y avoir un TP dans le coin. Au moins, ça me fera un petit... comment on appelle ça? Un petit save point. Enfin, un raccourci, un shortcut. Mais j'aimerais surtout qu'il y ait un save. Save point. Oulala. Karasuman. Je connais pas ce super-héros-là. Mon gars, ce spam génialissime, quoi. Haha. Ok, je prends un peu de cheese, j'ai l'impression. Ça fait un dégât, mais c'est génial. Ok. Ici. Haha. C'est bien, t'es vraiment une merde. Vas-y, couchez. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, ok. Voilà. Ah mais c'est lui les premiers... Le pape urbain, ça me parle. C'est lui les premières croisades, ça me parle. Ah, c'est vrai qu'il était, toi. Oula. Ok, j'ai plus que 6 PV, mais ça devrait passer quand même. C'est quoi, je vais me heal maintenant. Je crois que j'ai toujours la potion que j'ai pas utilisée tout à l'heure, du coup. Ah non, j'ai que ça. Ok, c'est pas grave. Ah ah. Le mec il bouffe son putain de poulet gigantesque en pleine baston, quoi. Est-ce que je peux le stunlock comme ça? Yes. Yes. Eh, impeccable, non? Franchement. Non, c'était du beau boulot. Attends, c'était du beau boulot, ça. Ah, first try, mon gars. Et bah voilà, ça c'est fait. Allez, on se casse. Allez, cassons-nous. Faut juste croiser les doigts pour... croiser les doigts pour un petit save point. Ok, pas de save point, juste des têtes de lion et un ascenseur chelou. Ok, très bien. Et bah je prends... Waouh. Cette mise en scène, mise en bouche, comme on dit
aux États-Unis du Colorado. La vache. Save point. Yes. Je suis en train de péter un plomb. Je crois que. Bah, attends, j'ai passé un niveau. Enfin, j'ai buté un boss. On avait dit à chaque. Les niveaux, du coup, on lâche l'idée, mais à chaque fois que je bute un boss, il faut que je prenne un petit verre de multivitaminé, quand même. Quand même, pas déconner. Clairement, du Villeneuve. Ah oui, Denis Villeneuve, attends. Allez. On se pince le nez et on y va, pépère. Allez, go. Mais bon, c'est pas ça, le dé, c'est de la merde. Allez, go. Ah, mais c'est horrible, la vodka. Comment on fait pour boire ça d'habitude? Oui, on la boit pas pure, c'est sûr, mais. Ah! Ok. Je suis un enfant, moi, je bois pas de café, tu me fais boire de la vodka, quoi. Oh, un fauchon, c'est bon ça, les fauchons. Fauchon. Attends. Ouais, il est où mon fauchon? Oh, tu l'as mis, mon fauchon? 28. Putain, 28 dégâts, c'est bien ça. Ça se pince le nez comme les collégiennes qui prennent leur premier shot. Ah bah non, je suis obligé, moi, je suis une collégienne plus ou moins, moi. Je suis une petite fille, poteau, hein. Moi, je bois que du Coca Zéro et du Nesquik, hein. Mes jours de breton sont derrière moi, quelque part. Alors, où est-ce qu'on est, là? Qu'est-ce que c'est que toutes ces pâtes à couèques? Ok, là, on peut pas y aller. Elles encore. Ok, c'est grave, la demeure, en fait. Parce que ça nous mène nulle part de faire ça. C'était bidon, non? J'ai l'impression que quelque part nous avons assisté à une bidonnerie, ouais. Parce que là, je peux pas y aller. Ouais, ouais, là, y a de la bidonnerie, là. Y a de la bidonnerie de ouf, là. C'est là, de toute façon, je pouvais pas y aller en haut, donc à mon avis, il va falloir que je me téléporte ailleurs. Hein. Les collégiennes, elles ferment pas les yeux quand t'es dessus, par contre. T'es sûr que ça va rendre tout? T'es sûr que ça va, man? On peut passer là, non? Non, tant pis. Ouais, non, mais Romtou, il chasse dans le gras. Hein. Ça que de. À moins que. Attends, qu'est-ce que j'ai forget là? Là-bas, on peut descendre maintenant, je pense. Donc, il faut que je passe par là. Ok, il faut que je descende. Ouais, ok, d'accord, j'ai. Je suis en train de faire le labyrinthe avec mon doigt, hein, littéralement. Hein. Tout 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 tout. Du coup, ça va, ça me dérange pas trop de les chelasse. Mais j'avoue, ça m'aurait fait bizarre de niquer vraiment des êtres humains dans le château de Dracula. Ok, par là. Là, c'est quoi? Je vais essayer de faire une roulette russe, moi. Ah, c'est bon, c'est passé. Et en stream, moi, et en stream, poteau. Et en stream. Ok, impeccable. Bon, de toute façon, je pense qu'on va essayer de visiter un peu ce qu'il y a en bas. Et ensuite, je couperai le stream. Il est à bientôt minuit et demi, bientôt 1h du mat, du coup, et conséquemment bientôt 2h du mat. Donc ça suffira, je pense. Imagine, ça te mute ton stream. Ce serait grave stylé, en vrai. Est-ce que tu crois que je peux monter là? Non, je crois que j'avais déjà essayé tout à l'heure. Je crois que je me suis fait bambouzler gratos tout à l'heure, déjà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel avec les poiscailles ici, mec? Aucun sens, quoi. Ah, c'est eux, les mermen. Et non, c'est marrant, les mermaids, elles sont super chaudes. Du huc. Et les mermen, par contre, c'est les vieux cons. C'est pas là que je voulais aller, moi. Je voulais t'aller... je voulais aller où, moi? Ah ouais, c'est là-bas. Ouais, je voulais aller là-bas. Il faut bien que je passe par là. Non, par en bas. Yes.
Ça va être sympa de se taper une mermaid, mais putain, elle doit avoir la transpuce salée. Hein. Elles doivent mouiller du sodium, comme on... comme on dit. Ok. Ça, c'est bon, c'est ouvert. Oui, ça, c'est un raccourci, du coup, qu'on a pris tout à l'heure. Très bien. En vrai, tu fais une roulette russe où les gens peuvent jamais perdre, mais du coup, ils ont une pression de ouf parce qu'ils savent pas... C'était pas... Ocelot qui faisait ça dans MGS3. Faut aimer manger salé. Tu m'étonnes. Elles ont un goût d'huître. Frozen shade. Mais elles ont pas de vagin, les sirènes, si. Bah, je sais pas, c'est un vagin, un poisson ou quoi. Je sais même pas comment ça marche, moi. Non, c'est un cloaque. Non, ça, c'est les oiseaux, ça. C'est une chatte, un poisson. Ça pond des œufs. Bah oui, mais ça veut rien dire. Si, ouais, si. Ouais, mais Mais c'est vrai, ça, t'as déjà vu des oiseaux, des poissons niqués, toi? Ah mais non, c'est vrai que... Mais non, comment ça fait déjà? Comment ça fait pour niquer les poissons? Ah, mais c'est vrai, je peux pas remonter, là, moi! Ah, scheisse! Putain, le con! Ah, les femelles pondent, les mâles jutent dessus. Arsène et Drektan qui ont utilisé la même expression. On en découvre les trucs ce soir. Et c'est pas tous les poissons qui portent... Enfin, les poissons mâles qui portent leurs gosses... c'est que les hippocampes, c'est ça? C'est pas tous les poissons. Genre par exemple, les thons, ils sont street cred, les thons. Y'a personne qui porte les enfants chez les thons. Arrêtez de vous suicider, s'il vous plaît, sur le chat. Ça me rend vraiment extrêmement nerveux. C'est les hippocampes. Ah ouais. Mais du coup, imagine, t'es un hippocampe, tu te trimales tes œufs tranquillement, et puis un hippocampe mâle qui vient te jeter sur la gueule parce qu'il pense que c'est des œufs en libre-service. Comment, franchement, est-ce qu'il te fait pas un peu la gueule? Là, 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 je vais aller chercher un petit pack de lait et des saucissons juste pour ma gonze. Ah, mais Michel, t'es con ou quoi? Oh, pardon. J'avais pas remarqué. Allez, nique ta race. Nique ta race. Il est chiant, ce couloir. En libre-service, oui, bah, ouais. Arsène suivrait-il la roulette? La teubi dit que non. Ah. Bah écoute, essaye Arsène, hein. Ok. Il est chiant, ce couloir. Il me casse les couilles. Et dans tous les Castlevania, il y a le même couloir, hein. On remarque, oui, parce que c'est toujours le château de Dracula, mais... Ta gueule. Mais il est relou, ce putain de couloir, là. Ok. Mais je crois que pour la roulette russe, il y a des moments... Enfin, les abonnés, je crois qu'ils peuvent pas mourir ou un truc comme ça. Et les modérateurs non plus, ou une connerie dans le genre. Il me semble que depuis tout à l'heure, vous êtes pas mort, je crois. Et il me semble que c'est ça, en fait. Ok. Vous pouvez essayer plein de fois, mais je crois que vous pouvez pas crever, hein. En tant que sub. Ça fait 4, bah ouais, c'est un peu large, tu vois. Faudrait que je retourne voir dans les options si on peut pas avoir un truc plus... plus, comment on dit, plus fair, plus juste. Parce que c'est pas parce que t'as payé beaucoup que la balle, elle t'atteint pas, hein. À part à l'armée. Ouais, je m'appelle Creedence. Ah. Nice. Bon, alors attends. Il faut que je fasse complètement le tour, en fait. À moins que... Ouais, non, c'est ça. Vas-y, on va essayer de faire tout le tour. Pour passer à la cascade. Pascal Cascade. C'est marrant comme nom, Pascal Cascade. Donc lui, c'est Cthulhu. Mais non, c'est pas Cthulhu, vu que c'est un genre de vieux taureau avec des ailes de pigeon. C'est complètement con, c'est pas ça, Cthulhu. En plus, il a été mal écrit, je sais pas si vous avez vu. Ou alors je crois que c'est genre les modérateurs qui peuvent pas mourir ou un truc comme ça. Non, je crois que c'est les modérateurs qui peuvent pas mourir, mais juste les subs normaux, y a pas de problème. Essayez en boucle, hein. Ça veut dire qu'il y en a un qui se tire une balle quand même. Attends, je suis pas venu pour que dalle, hein. Ah non, tu vois, t'arrêtes pas de tirer dessus, mais ça marche pas. Ramdou, par contre, t'as une risque de te faire niquer, hein.
Ah, pour Romdou, le flingue, il a même pas voulu tirer, quoi. tu sens le désespoir derrière, quoi. Ok. Normalement, là... Je suis là, donc il faut que je remonte encore et que je repasse. Putain, la vache, ça va être long. Hop. Il y a eu un mort tout à l'heure. C'était qui, déjà? C'était Hoffman? Non, c'était Arcana. Je crois que c'était Arcana, mais Arcana, il est pas abonné ni rien, donc... Réessaye, Romdou. Je crois qu'il y a une minute de... Oui. Il me semble que pour les utilisateurs normaux qui sont ni sub ni modérateurs, il y a un cooldown, un petit cooldown. Cooldown. Ça, ok, c'est bon. Ah, wow. Impeccable. Désolé, hein, je me paume, donc c'est pas forcément facile. C'est quoi, pour la prochaine fois, je vais essayer de me choper un genre de petit guide, un peu comme ce que j'ai écrit pour Resident Evil 2 Remake. Un petit guide pour que je me dise où aller, tu vois, pour pas que je me paume trop à l'avance. Je pense que ce serait plutôt pas mal comme idée, ça. Genre juste aller chercher ci, ou aller chercher ça, ou aller au nord, aller au sud. Un gros guide tactique qui m'expliquerait tout, mais juste un peu, tu vois. Ouais, je pense que je ferai ça pour la prochaine partie. Il faut déjà que je trouve sur un guide où je suis là. Parce que j'ai l'impression que je fais tout dans le désordre, c'est une catastrophe. C'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. J'ai regardé encore les trois frères tout à l'heure en jouant à The Division. Et j'adore ce film. Et je sais pas trop pourquoi j'adore ce film, mais j'adore aussi... On en parlait avec Ska d'ailleurs la dernière fois, mais les Rois Mages avec, pareil, les Inconnus. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ce film. Il me fait rire, vraiment. Je le trouve super sympathique à mater. Je trouve l'histoire marrante. Enfin, c'est bidon, mais moi, ça me tue, moi. Putain, mais je meurs de rire dans les Rois Mages. Non, mais oui, laisse tomber. L'autre qui se lave les pieds avec du whisky, là. Ils sont géniaux, les mecs. Bon, allez, passez par au-dessus. Blip, blip. Impeccable. Merci, une humide. Faut jamais parler sèchement à un humide. Ok. Ah vache, il y a plein de trucs qui sortent de moi, mais très peu qui rentrent. Faut arrêter un moment, là. Voilà. Donc, du coup, là, c'est bon. Je sais pas si vous avez vu, mais juste en dessous de moi, il y a juste un carré sans rien dedans, et ça me stresse un peu, en fait. Ta gueule. Bon, je pense qu'après avoir testé ça, après avoir été là où je veux aller, je couperai le stream. Et je vous promets, pour la prochaine fois, j'aurai un guide à portée de main. De l'alcool un peu plus dilué. Parce que là, en fait, je suis à la vodka pure, c'est vrai que ça... bon. La prochaine fois, je prendrai un alcool un peu plus dilué, histoire de pouvoir fonctionner correctement. Alors, où est-ce que je voulais aller, moi, à la base ? Fick me. Oui, il faut que j'aille tout en bas. Yes. J'ai assez bon maintenant. Hop, hop. Pardon, excusez-moi. Ah, ouais. Voilà. Impeccable. Y'a rien d'autre ici, là. Y'a pas une entrée secrète, là. Ouh. Y'avait certainement un mur à péter, d'ailleurs, là. Je pense que j'ai été un peu con. Et qu'il y avait un mur à péter, c'est pas grave. Ici. Donc on peut monter au-dessus, mais ça nous mène à rien. La soundtrack est vraiment très très chill dans ce coin-là. C'est vrai que je comprends pas trop pourquoi elle est aussi détendue. Je suis toujours dans le château de Dracula. On est toujours en train de galérer, en train de se faire tuer par des zombies. Mais y a un côté un peu chillos au truc. Non, il faut que je passe par là. Et que je trouve un moyen de descendre, en fait. Ah non, il faut juste que je bouge pas la flotte, il me semble. Voilà, mis ta race. Je peux pas la bouger, ça? Non, je peux pas la bouger. Tant pis, c'est pas grave. Parce que c'est une grotte. Les grottes ont des soundtracks chill IRL. Ah ouais, je savais pas. J'ai pas fait beaucoup d'exploration de grottes, hein, à part avec ta sœur. Est-ce que Russian finira le jeu un jour? Évidemment que oui, abruti. Haha, t'es bien nickel, hein. Du coup, moi aussi, je suis obligatoirement, du coup, niqué de finir le jeu pour pas faire mentir la boule magique. Ah, c'est une idée de merde, cette boule magique. Elle est de ton côté, la grosse boule, bah évidemment.
Avec son musée du Ricard. Du pastis, je sais plus. J'arrive pas à taper les frogs. C'est pas grave. Bam 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 et bam bam bam. Je sais pas si vous l'avez. Tout 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 tout. Hélas, oui. Je savais que vous étiez des hommes de culture, les mecs. Je savais que vous... Ça y est, je sais plus parler, c'est bon. Waouh, deux shots de vodka, tu sais plus parler, Lucian. Ça, c'est une bonne ambiance, ça. Après, j'ai pas beaucoup dormi non plus. C'est pas si simple. Alors, attends. Ok. Cette fois-ci, je me gourre pas. Il faut bien que je saute tout de l'autre côté. Donc, il va falloir que je procède. Un genre de saut multiglotte. Ah, comme ça. Cha. Yes. Ah. Ah, non, c'est bon. Blip. Ah. 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 Something appeared near the wooden bridge. Ah. Nani kore? Nani. Nani shite? Poshita. Ok. Donc du coup, je peux peut-être retourner au pont tout à l'heure. Là où il y avait des petits bonus. Parce que je pense que ça a dû niquer tous les ponts en bois de la création, en fait. Hop, ta gueule. Croix dans ta mère. Tiens, voilà, bim. Ah! Ça a fait pop des monstres rigolos. Mais non, je suis con. Mais non. Mais non, mais je suis abruti. À moins qu'il y en ait un autre qui pop. Attends. Je pense qu'il va falloir le trigger en fait pour qu'il vienne jusqu'ici et qu'il défonce le pont pour moi. Oh, ils me font chier ces trucs. Voilà. J'arrive pas à niquer les putains. Voilà. Viens là. Viens petit. Voilà, c'est bien, petit squelette. Petit squelette. Créature pour vieux, tu peux me lancer un tonneau? Ah non, mais t'as plus de tonneau du coup! Espèce de cake, tu vas faire comment? Bah, surtout moi, je vais faire comment? Tu peux pas créer un autre tonneau? Non, t'es vraiment juste une merde. Pff, la tristesse du truc quoi. Oh la tristesse du truc! Comment on va faire ça? Faudrait qu'on le fasse en fait s'approcher de nous sans qu'il déclenche son truc. Mais à mon avis c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah si, à moins que. On va attendre là hein. Moi j'ai mon boomer juice. Il doit être en train de s'approcher là. Faut dire juste sa tête dans le scrolling en fait. Regarde. Alors regarde bien juste sa tête là, histoire de le bait un petit peu. Regarde. Vas-y, joute-moi dessus. Vas-y. Go. Et du coup, je sais pas, est-ce que c'est parce que je me le suis mangé dans la gueule ou... C'est parce que je l'ai mangé dans la gueule, non? C'est peut-être ça. Je vais réessayer. Mais sans me manger le truc. Voilà, tire-moi dessus. Go. J'ai les fesses qui ont rigolé. Pas moi. Yes! Je suis littéralement Einstein / Highlander, poteau. Yes! Putain, qu'est-ce que je m'aime! On est bon là? Ouais, on est bon. Pour là, ouais, il y avait du stress là, Nick, hein. Ouais, je sais, moi aussi. Abandoned mine. Where the lay of the queen. And where the dead stand still for eons. Of course. Yes, oh my god. Oh god. Ok.
Heinlander. Heistein. C'est bon ça, Heistein. Ok, en plus on a pu save. On va se balader encore un tout petit peu et puis je pense que je couperai après. Ça fait 8 ans que je dis que je vais couper le stream, mais comme je m'amuse, eh ben j'ai pas envie. Il y a que 27 personnes, mais c'est pas grave. C'est un petit stream familial. Que tous ceux qui sont sur le stream en train de regarder là maintenant, même sur leur télé ou je sais pas quoi, disent oui. Et celui qui dit non, il est banni. Oula, wow, 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 un pipou. Ah. Ouais, ouais. C'est bon, il est con, il est con, il est con. Ouais, ouais, par contre, faut se détendre dans la vie. Voilà. Putain, mec, c'est une Gatling. Est-ce que t'as vu que c'est une putain de Gatling? Impeccable, 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 c'est bien, c'est bien. Non, encore une fois, mon Basilardon, il est mieux. Yes! Mais bien sûr, le Basilardon est juste complètement Ken, c'était un vrai boss. Écoute, dernier shot pour la postéritude. Mec, j'ai gagné 100 PV en un stream, quoi. Aucun sens. Par contre, j'en ai perdu tellement IRL. Hop, ok. Ah, je salive. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Putain, mais je suis sûr que... En fait, cette vodka s'est transformée entièrement en éthanol. C'est tellement pas bon, j'ai vraiment l'impression de boire de l'alcool pur, quoi. Il s'est passé un truc, je pense. Il s'est passé un truc avec la vodka. Elle a été vaudouisée, n'est-ce pas? Ah non, ah, je commence à sortir des accents racistes en plus. C'est quoi ce délire? C'est qui ce con? Il s'est fou. Mais je t'emmerde. Oh, dis donc. Tu en prends ta gueule? Tiens, je te stab le visage, moi. Je te stab le visage. Vous savez que j'avais du coup dans l'idée de faire les jeux sur les nazis le mercredi. Des jeux sur la Deuxième Guerre Mondiale ou Wolfenstein ou des trucs comme ça. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas le faire le dimanche, tu vois. Et je me suis dit comment on allait pouvoir l'appeler. Et je me suis... J'ai trouvé un nom qui, je trouve, est plus ou moins génial. Ce serait Arch le dimanche. Est-ce que c'est pas trop bien comme nom? Arch le dimanche. En vrai, ça déboîte, non? Ça marche aussi avec Arch le mercredi, d'ailleurs. Bon, ils me font chier, ces gremlins de cons, là. Allez, casse-toi, là. Putain, ils posent du feu partout, ces gros bâtards, en plus. Bon, aucun respect pour son prochain, quoi. Tiens, je te spam de trucs. Voilà, t'aimes pas ça, hein. T'aimes pas ça, la grosse ta mère. La grosse ta mère? Pourquoi pas. Voilà. Toi, tu niques. C'est quoi? Demon card! What the fuck is that? Is it a relic? Demon card. Summons devil familiar. Well, that's a doozy. It's pretty much a good idea. A familiar. Oh, good. C'est vrai? J'ai un petit familier maintenant? Oh, trop mignon! C'est adorable. Puis je t'ai répondu au fait pour ta requête de titre d'avant. Absolument pas. Ils ont dit ah, du coup, désolé d'avoir répondu tard. Est-ce que votre problème s'est réglé tout seul? J'ai fait bah non. Et ils ont pas répondu. Déjà, j'ai déjà l'idée du générique au début avec un discours d'Hitler en fond, genre Erika. Non, 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 pas un truc aussi simple, t'es fou, toi. Non, non, pour le générique, je ferai un genre de propagande américaine avec des vieilles images et tout, t'es fou, je vais pas faire un juste... Erika. Ils ont pas dit non, du coup. C'est vrai qu'ils ont pas dit non. C'est vrai qu'ils ont pas dit non, mais je préfère quand même appeler ça Arch le mercredi. En vrai, ce serait cool, non? Arch le mercredi. Oh là là, c'est la merde. Aide-moi, aide-moi, petit démon, petit démon, petit démon. Je suis en train de me faire pulvériser. Je viens de me faire quicher la tête. ouais. Il y a quelque chose, peut-être, là, qui vient? Je viens de me faire quicher la tête. Il me semble que vous étiez là. Ouh là là. J'aime pas les sorcières de Salem. God hates the lords of Salem!
No one! Ouh, nice. Combat knife, et j'ai pas vu ce que j'ai pris d'autre. Est-ce que le combat knife, il est mieux que mon Basil Ardon? Oh yes. Oh yes. Et ça, mon gars. Et karma coin. Coin with two effects. Ouais, ça m'intéresse pas. Est-ce que je tape aussi vite? Ok, j'ai un coup spécial. Enfin, j'ai un coup et un autre coup. Stream Mart Fry. Non, mais tout ça, non. Et Vermes Day aussi. On avait cherché plein de noms. On avait trouvé des biens, mais il n'y en avait pas qui allaient vraiment. J'en ai parlé en plus, hein. Enfin j'en ai parlé en Everyone, j'en ai parlé sur le Discord, j'en ai parlé en stream. Voilà quoi, j'en ai parlé partout et ça étonne encore des gens, tu vois. J'ai parlé de l'idée à Spider et à Doom, ils ont fait « Ah, je savais pas, ah, ah, ah. C'est vrai, tu vas faire ça ?» Écoute, on peut pas être forcément écouté par tout le monde en permanence, hein. Je comprends le principe. C'est pas grave. Je pense que je ferais « Ah, le mercredi, ouais. » Je pense qu'on va faire ça. Sympa l'équipe. Ah ouais, non, mais clairement. C'est pas grave. Ouh. Un were-skeleton, putain. Un squelette garou, quoi. Comme l'intermittent. Garou l'intermittent. Bone arc. C'est comme ça que j'ai appelé ma bite au collège. No, my bone arc. Oh, comment il se casse. Trop bien. Du coup, c'est quoi le premier jeu sur la guerre que tu streamerais? Ce serait Wolfenstein. The New Order. Et non pas The New Colossus, qu'on a déjà fait et qui était pourrave. Mais The New Order, qu'on n'a pas streamé encore, ou alors qu'on a streamé il y a très 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 longtemps. Du coup, j'aimerais bien le refaire. Aïe. J'avais dit que j'arrêterais le stream, non? Il me semble. C'est pas grave. Elle est marrante la musique, oui, il y a un petit côté jazz. Harto Max, hop. Rife Max, hop. Hop. C'est qui ça? Un Mexicain? Y'a un Mexicain dans mon Dracula. Qui c'est qui a mis un Mexicain dans mon Dracula? Vas-y, petit démon. C'est bien, mon petit démon. Regarde-le. Bip. Nique ta mère. Oh la vache, il est trop bien le couteau de combat, mec. Oh yes, impeccable. Impeccable. C'est super. Casse-toi, toi. Casse-toi, le chicanos, là. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui? Hé, hombre, tu veux que je te garde ta tombe? Non, mais... Ouh, waouh. L'Osot. Qu'est-ce que c'est que ce nom de merde? L'Osot. L'Ofofora? Il est grave volontaire, le petit démon. Mais oui, je l'ai appelé Mauricio. C'est vrai, ça lui va bien, en plus, comme nom, Mauricio. Allez, viens, Mauricio. En plus, on peut l'appeler Momo, c'est rigolo, Momo. Nique ta mère. Ouah. Je me suis fait scier la gueule comme dans Super Meat Boy. Je sais pas pourquoi j'ai dit avec un accent ouzbek, mais... Super Meat Boy. I have a meat and it's a boy. Super Meat Boy. Ok. Allez, que dalle. L'Osot. L'Obondi en espagnol. Ah, j'ai. Ok. J'adore la texture de la lave en bas. Elle est génialissime. C'est un genre de vieux rouleau qui bouge. Je trouve ça super joli. Et puis en plus, est-ce que... Oh la vache, j'avais même pas trop remarqué. Mais est-ce que t'as vu la projection des ombres sur le mur du fond, là? Oh la vache, comment c'est classe. Même le mur du fond, en fait, il est en parallaxe à moitié. En fait, il est en 3D. C'est du 2D projeté sur la 3D, en fait, ce qu'on a là. Putain, c'est génial. C'est super joli. Ouais, ça pète. Ah vraiment, je suis vraiment amoureux des de la bonne 2D comme ça, je suis fan. Je suis fan. Est-ce que j'ai fait ça pour $1? I'd buy that for $1. Ok. Ça vaut pas Love, Death and Robots. Ouais, faudrait vraiment que je me renseigne sur l'épisode avec la chinoise qui a été témoin d'un meurtre là. Bah témoin d'ailleurs, je crois que ça s'appelle. Pour voir comment ils ont fait. Je me demande si c'est vraiment du vrai footage qu'ils ont rotoscopé ou texturé ou un truc comme ça. Parce qu'il m'a vraiment mis sur le cul. Enfin, je pense pour moi c'est un des vraiment des plus beaux. Il m'a vraiment mis vraiment sur le cul, quoi. C'est quoi ça? Is it a boss? Is it a cat? Yes, it's a cat. Attends, on va y aller plus tard si c'est un boss, hein. Pour l'instant, on va se balader un tout petit peu par là-bas. Par là-bas. Excuse-moi. Yes. Oh, c'était... Ouh. La curiosité est un beau défaut.
La grosse boule coopère pas vraiment avec toi. Jamais. Ouh! Walk armor? Respect! Walk! What do you say? Un peu plus de défense, un peu moins d'intelligence. Eh ben écoute, je prends la walk armor. Let's go. On va juste faire une autre petite save. Elle se permet des sarcasmes. C'est la plus belle grosse boule magique qu'on a, que j'ai faite depuis le début. Ouais. Et c'est con, tu vois, si on avait... si t'es abonné, en fait, à Moobot, si tu donnes genre 25 balles par mois, une connerie comme ça, tu sais, donc c'est un prix absolument exorbitif, tu peux changer le nom de Moobot. J'arrive pas à passer. j'arrive pas à passer, voilà. C'est chiant, j'arrive pas à passer, en fait. Voilà. Tu peux changer le nom du bot, mais c'est extrêmement trop cher, et du coup, ça aurait été marrant de renommer le bot et lui parler directement, tu sais. Au lieu de parler à la boule magique, tu parles au bot directement, ça aurait été rigolo. Mais bon, on peut pas, donc voilà. C'est quoi ça? Ouh, wow, 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 wow! Grand Falun! C'est ce qu'un mec en 1800 il demande quand on. Il te répond quand on lui demande ce qu'il veut construire. Je vais construire un Grand Falun! Ok. Vas-y, petit démon! Va le schlass! Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ce boss de Dark Souls de ouf, mon gars? Je pense qu'après avoir éliminé assez de mecs, on va pouvoir tomber sur l'espèce de milieu, en fait. C'est quoi cette boule de... cette couille de mammouth? C'est Jawbreaker. Ah, il me fait tomber des enculés sur la tête. Il y en a un qui a pris un vase, il me l'a pété sur la tête. Enfin, il m'a pas pété sur la tête. Non, il vous a pété le vase sur la tête. Ok. H, je m'en fous moi. H, je suis immortel. Ok, je fais tomber des petits bouts, c'est bon ça. H, fermez vos gueules, fermez tous vos gueules. Hop, je vous encule. Je tue 700 mecs. Ouh, il y a un petit bout qui dépasse. Regarde, il y a un petit bout de verre de terre qu'on voit là. Ça c'est un PK, ça c'est bien. On travaille au corps là. Après avoir joué à des jeux un peu vénères. Genre Hollow Knight et les trucs comme ça, c'est vrai que ça me fait bizarre de voir des boss qui sont possibles en first try. Après on m'a dit que Symphony of the Night ça faisait pas partie des plus difficiles, hein. Donc je suis pas forcément non plus étonné, mais ça me fait quand même bizarre. Qu'il n'y ait pas de phase d'analyse de pattern, etc, tu vois. Bon, ça va être peut-être un peu long, remarque, cette quête, mais enfin cette mission, enfin ce boss, enfin ce truc. On voit des petits bouts, hein. On voit des petits bouts qui dépassent. Oh oui. Je dis oh là, d'accord. Oh, ah bon, d'accord. Bah tant pis. Et ben je réussis par peut-être pas first try finalement. Va falloir que comment je commence à le tailler de l'autre côté en fait. Cassez-vous. Je déteste les humains. Oh. Il y a un truc là. Ah. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Complètement con. Ok. Est-ce que je peux. Utiliser une potion. La potion de la... Summon Skeleton Ally. Ça va rien foutre du tout. Sirloin, on s'en fout. J'ai pas d'autres potions... qui me refileraient du truc. Oh bah merde alors. Oh putain, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Bisous Toad. Dors bien. Putain, j'ai pris cher en fait. Mine de rien. Poisonous mushrooms, on s'en fout. Morning star. Ah, c'est une petite blague. Daytona, let's go away. Ok, impeccable. Bah écoute, limite je pourrais rester là, mais j'ai rien à foutre quoi. Enfin, j'ai rien à lui lancer. J'ai plus de shiitake. Est-ce que je peux essayer un shiitake? Ça va me rendre des cœurs ça. Non, ça me rend pas de cœur, ça me rend juste de la vie, merde. How do I do it? Pentagramme, ça fait quoi? Damage all enemies. C'est quoi? On va tester. Blip! Ça a fait un peu mal, ça a l'air rigolo. Et les pierres de karma, qu'est-ce que ça fait? Coin with two effects.
Je sais pas. j'ai juste jeté une vieille pièce de merde. Boomerang. Je vais tout essayer, je m'en fous moi. Il est même pas revenu, mec. Genre, dans quel monde ça arrive, ça, quoi? Attends. Et du coup, on attend de régénérer la magie. En plus, ça revient, la magie revient. Hein. C'est vrai que c'est un peu niqué. Hein. Ouh ! Oh putain ! Oh putain ! Ok, il est con. Qu'est-ce que tu fais ? Il lui reste quand même un petit bout. Hein. Oula, oula, ouais, ça, c'est en train de couler en plus là. Qu'est-ce qu'il me reste ? Qu'est-ce que je peux utiliser? Je suis sûr que je peux quand même le niquer. Je suis sûr qu'il y a un moyen de le niquer. Dark Metamorphosis, on s'en fout. Les reliques, on s'en fout. J'ai déjà ma Demon Court. Demon Court! Est-ce que tu penses que je peux faire genre... ça? Daytona! J'ai summon plein de squelettes normalement là. Normalement. S'ils sont pas juste tombés hors de l'écran, j'ai fait tomber plein de squelettes. Daytona! Let's go! Il va me tirer dessus. Lâche pas! Ah, loupé, sale merde! Ok, potion de force et on y va! J'arrive pas à le taper, c'est la merde. C'est la merde, poteau. Tape-le, petit démon! Tape-le! Yes! J'en ai foutu partout. Easy as 1, 2, 3. Just easy as ABC. 1, 2, 3, 4, fuck. C'était trop facile. La triche tout de suite. Non, c'est pas la triche. J'ai utilisé les éléments qui étaient à ma disposition, tout simplement. C'est juste que t'es jaloux, c'est tout. Le bon te cheese. Bah oui, écoute. Aïe aïe. Ah, je vais me faire tuer par des petites feuilles. Si je me fais tuer maintenant par les petites feuilles, je te promets que je vous banne tous et je coupe LMF. Et ensuite, je me taille les veines. Il va me falloir des petits cœurs par contre. Rends-moi ce cœur. Mon corps. My body. Ouh. Mormegil. Mormegil, qu'est-ce que c'est que ça? Mormegil. Strong versus holy. A black sword. This is pretty interesting. Ouh, elle a l'air cool, elle a l'air sympa. Donc si jamais je croise des trucs qui sont sains, genre des nichons, et bien cette Mormegil va pouvoir m'aider à leur ken la race. Ok, et j'ai 230 PV maintenant. Ouh. Ouais, impeccable. Est-ce que je pouvais pas descendre par en bas en fait? Bah si, pourtant. C'est quoi ce petit escalier de fortune? Point de comprends-je? Ah, ouh, damage boost mon gars. Yes. Bon, et les copains, ça m'a fait super plaisir de vous refaire un petit peu de Castlevania. En plus, je trouve que je m'en suis super bien sorti. Je suis mort qu'une fois et j'ai bu trois fois à cause des boss.
Ça s'est super bien passé. J'espère aussi que SWAT 4, The Stetchkov Syndicate, vous a plu. J'en suis à combien du jeu, là, tu penses? Je suis à 3 heures de gameplay. Je sais pas trop à combien de... Window Color, Sound, Bouton Setting, Right Hand, Wolf Mist, Bat. Ah, c'est vrai que je peux me transformer en Bat aussi. Il y a vraiment que ça en fait à faire avec ce putain de loup. Bon, par contre, il va vite. Genre, tu peux vraiment tracer quoi. Et vraiment, c'est... sinon, c'est un peu de la merde. Ah oui, non, c'est un peu bidon pour l'instant d'être un loup, mais à mon avis, ça va être bien après. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ça vous plaît toujours, hein, Castlevania. J'espère que ça devient pas trop monotone. Je suis désolé si j'ai pas trop parlé ce soir, mais surtout sur SWAT 4 parce que j'avais un peu du mal à parler. Ça arrive, hein, il y a les soirs où t'as juste pas de charisme. Moi c'est tout le temps. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous laisse avec un peu de musique et puis on se retrouve pour les prochains streams. Je crois que demain ce sera SCAD qui prend. Mercredi, il me semble que c'est Yadar. Il me semble que jeudi c'est Poléon. Enfin, ça va être la machine à laver cette semaine. En tout cas, bon courage, bonne nuit, surtout. Je vais vous laisser avec un truc un peu de chérie en plus. Allez, bisous les gars, ciao.